tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, j'ai fait ma petite commande, comme je fais chaque semaine, de la Belle Vie. Alors, il manque des produits, c'est dommage. Mais bon, je vais vous montrer. J'en ai eu pour 30 euros. Alors, tout d'abord, j'ai pris 3 oignons rouges. Moi, sans oignons rouges, je suis perdue. Hein. 99 centimes les 3 oignons rouges. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Bon, alors... Vous savez que moi, j'avais un Instagram, j'ai un Instagram, mon Instagram... D'ailleurs, attendez, chaude du coq à l'âne. Ces lunettes-là, vous vous rappelez, j'avais des lunettes vert olive. Je les ai cassées. Et elles sont tombées, quand je suis sortie, elles sont tombées sur le béton, fracassées, quoi, complètement cassées, là. Je suis allée à Optical Center, à côté de chez moi. Et je leur ai demandé s'ils avaient, ça faisait 2 ans, s'ils avaient la même paire de lunettes. Ils m'ont dit non, mais on peut mettre les verres comme ça parce que c'est des gros verres. J'ai dit ok, puisque les verres n'étaient pas touchés. Il s'avère que je vais à Optical Center et elle me dit, écoutez madame, il faut savoir qu'il y a 2 ans, je les voulais en noir. Elles n'étaient pas en noir. Et elle me dit, écoutez madame, c'est pas compliqué, nous avons la même paire. Je dis, vous plaisantez? Je dis, je l'avais payé 36 euros. Elle me dit, ben là, elle est à 30. Mais je lui dis, mais je vais la prendre. Donc, j'ai changé mes lunettes pour 30 euros. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y a des lunettes, on peut payer vraiment pas cher du tout. C'est la monture que j'ai payée 30 euros et j'ai gardé mes verres. Par contre, j'ai changé ma mutuelle. Je vous le dis parce que c'est des choses importantes. J'ai changé ma mutuelle, si vous pouvez le faire. Vous voyez, ça s'appelle la mutuelle nécessaire. Franchement, elle est impeccable. Je gagne 500, presque 600 euros en plus par mois. Donc, c'est très bien parce que je payais 980 par an. Et bien là, je vais payer que 495, enfin 520. Voilà, je vais payer. Voilà, je gagne 500 euros. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit, les 500 euros, c'est très bien. Parce qu'il faut savoir que, je vais vous dire un truc, ma mère, elle a fait un AVC suite au vaccin, à la deuxième dose. D'ailleurs, je lui dis de ne pas faire la troisième dose, hein, qui serait grave pour elle. Hein. Donc, la deuxième dose, je vous montre après les courses. Hein. Donc, la deuxième dose, eh bien, comme je vous dis, elle a fait un AVC. Et comme elle avait une super mutuelle qui a payé extrêmement cher, mais extrêmement cher, ils l'ont mis dans un endroit super classe. Elle avait des plats, le nôtre, mais il n'y avait pas d'infirmière. Il n'y avait rien. C'était, mais j'ai même dit, mais où sont les infirmières? Ma mère, elle me disait, ah, Sybille, fais pas de scandale, je te connais. Bon, j'ai pas fait de scandale, mais j'ai dit à mon frère, faut qu'on la sorte de là, quoi. C'est pas possible, c'est un truc super cher et ils s'en foutent, ils lui donnent juste à manger et il arrive quoi que ce soit. Pour vous dire, elle pouvait même pas, c'est elle qui a mis le truc, qui s'est débrouillée pour la sonnette. Je lui dis, mais il faut les appeler, maman. Voilà, bref, toujours est-il que donc, moi, je prends la mutuelle nécessaire, pas plus ni moins, 100%, voilà. Point. Alors... Maintenant, je vais vous montrer mes courses, ok? Donc, je vous avais montré les oignons. Là, j'en ai eu pour 1,70€, j'ai 1 kilo de mandarines d'Israël. J'ai toujours ma petite salade. Si vous me suivez, j'en ai pour la semaine, hein, parce que je la nettoie, je la mets dans des petits sacs. Voilà, la petite rougette de laitue. Et j'ai ma ciboulette. Il me manque encore quelque chose. Il me manque quelque chose. Il commence à me saouler, hein, franchement. La ciboulette, elle est dans un état... Bon, 1 euro. Il me manque des clémentines. Je vais regarder. Permettez. Je regarde. Heureusement que j'ai 2 téléphones. Je regarde. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. D'accord. Et puis, votez surtout pour éliminer l'autre parce que il a d'autres plans beaucoup plus machiavéliques que ça. Alors, donc, mais j'en parle plus parce que, voilà, j'ai pas envie de faire sauter ma chaîne. Alors, attendez, je vais regarder sur la Belle Vie. Normalement, il me manque quelque chose. Et elle m'avait dit, attendez, à moins que c'est moi qui n'ai pas... voir mes commandes. Attendez, on regarde ensemble. Hein. Commandes livrées, détails. Oui, il me manque quelque chose. Il commence à me saouler. Il commence à me saouler. Ouais, il me manque. Ah non!
les clémentines. Voilà, il me manque les clémentines, parce que j'ai pris des mandarines et des clémentines. Donc, il ne me manque rien, parce que je sais que normalement, elle avait vérifié, alors c'est pour ça. Donc là, j'ai pris des... Combien de fois j'ai dit qu'il fallait... Non, mais regardez l'état. Non, mais regardez combien de fois je leur ai dit qu'il fallait faire attention. C'est à cause de ça que j'ai une ouverture au pied. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous montrer quand même. Regardez ma cicatrice, elle est loin d'être belle. J'ai reçu un bout de verre dans le pied, ceux qui ne me connaissent pas, mes nouveaux abonnés. Et là, ils refont la même chose. Ça devient n'importe quoi, hein, je vais leur dire. Hein. Donc, j'ai pris chocolat banane. Et j'ai pris, ça c'est pour ma semaine, hein, des petits Saint-Moray. Franchement, je les adore. Je sais pas si vous les connaissez, mais moi j'adore ça. Alors, j'en avais pris 3, mais j'en ai que 2, mais c'est pas grave. J'ai repris des mandarines citron vert. Je les adore, mais vraiment à un point, je les adore. Cela dit, c'est pas très facile à mettre dans des sacs aussi, il faut reconnaître. Hein, je reconnais. Donc là, c'est chocolat banane. Voilà. Et j'ai pris mousse, secret de mousse duo. Voilà. Ça, c'est mes courses qui sont... attendez, je vais le remettre là. Et j'ai pris, je ne sais pas si vous connaissez... Non, mais regardez dans l'état. Mais on peut pas... Non, mais je vais leur dire, il est complètement cabossé, quoi. À un moment donné, il faut faire attention aux courses, quoi. Faut prendre le temps. Regardez-moi, je vais tout bien remettre dans mon sac et je suis sûre que ça va être bien rangé. Et faut arrêter les conneries, quoi. Moi, je vais leur dire, hein, je vais les rappeler. Non, mais ça, c'est... Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Pomme framboise, coulis de cassis. C'est trop bon. Je vous dis 30 euros en tout. Hein. Le fromage, il est dans un état lamentable. Voilà, là, au moins, c'est rangé. Ensuite, j'ai repris de la farine. Parce que je fais beaucoup de gâteaux et je trouve que c'est bizarre. Ils disent qu'il n'y a plus de farine dans les magasins alors qu'il y en a encore plein, quoi. Donc là, j'ai pris les petites crêtes mystérieuses, Francine. Tiens, voilà, j'ai pris 2 paquets, 99 centimes. Je vous dis, c'est le même prix que... Voilà. 2 paquets de farine. J'ai pris du sucre, petit sucre. Oh, je croyais que c'était un petit sachet, je ne l'ai pas payé cher. Petit sucre dédié. Pour grande tasse, des petits sucres dédiés. Moi, je pensais sincèrement que c'était en petits paquets. Ben, c'est pas grave. Et j'ai pris pour la perruche Purcane de la cassonade. Ça, c'est pour faire des recettes de cuisine. Voilà. Si vous voulez savoir le prix, je l'ai payé 1,60. Même. Et j'ai repris mon petit pain que je prendrai. Non, mais regardez. Je vous mens pas. Mais c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé. Bon, je vais les prévenir. Hein. Regardez ça. Comment voulez-vous que je garde un sac comme ça? Vous voyez, dans l'état où c'est? C'est pas possible. La date, c'est bon. Non, mais je vais leur dire. Hein. Je vais leur dire. Parce que là, ça, c'est inadmissible. C'est pas que je râle, hein, c'est la vérité. Hein, je vous mens pas. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Je pense aller à Action parce que je ne veux plus aller à Action, vous savez bien, mais peut-être pour acheter des sacs Zip et des sacs à la lavande. Voilà. J'ai commandé un drap sur Vinted. J'ai payé 3 euros. Une housse de couette sur Vinted. Trop bien. Franchement, trop bien. Plein de couleurs, ce que je veux exactement. Donc, ça va arriver à côté de chez moi. 3 euros, franchement, la parure, voilà, je me suis dit, je vais acheter, c'est tout neuf en plus, il y avait l'étiquette, il y avait juste un petit fil, mais rien du tout. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Et je me suis inscrite à Kiabi seconde main, parce que je vais vendre énormément de choses. Voilà. Je voulais donner, et puis en fait, je m'aperçois que même si je vends 3 euros, ben, ça fera plaisir quand même à quelqu'un, puis à moi aussi, après tout, je suis à la retraite. J'ai encore plein de choses à donner, mais je pense que je vais en vendre pas mal aussi. J'ai l'intention, alors je vous le dis, mais pas tout de suite, j'ai l'intention de déménager. C'est mon fils qui m'a dit ça, mais maman, t'es à la retraite maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai oublié les petites croquettes à ma fille, voilà, que je n'aime pas trop, mais bon, pour l'instant, elle mange que ça. Alors, comme dit le vétérinaire, laissez-la manger ça. Plutôt que ces croquettes à 21 euros, qu'elle n'en veut pas. Donc, j'ai l'intention de partir. J'ai vu.
un truc de fou, des tarifs. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai l'intention de partir, mais pas toute seule. C'est-à-dire chacun son appartement. On va voir ça dans les 2-3 ans qui suivent, là. Chacun son appartement. Et par contre, on serait pas loin, mais chacun son appartement. Et j'ai envie d'aller assez loin. Enfin, pas assez loin. J'aimerais me rapprocher. J'ai essayé de l'appeler, là, mais j'y arrive pas. De Pinkette. Voilà, de Mamie Corinne. Abonnez-vous à sa chaîne si vous n'êtes pas abonné. J'aimerais me rapprocher d'elle parce que c'est ma sœur de cœur, je l'aime à la folie. J'aimerais me rapprocher d'elle. Je lui en avais déjà parlé plusieurs fois. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de voiture. Donc, il faudrait quelque chose pas très loin d'elle aussi. Donc, on va voir. On va voir. J'envisage en tout cas, dans les 3 ans, de quitter, comme dit mon fils, arrête maman de vivre où tu vis. Mais je dis, mais je suis bien où je vis. Il me dit, oui, mais non, on ne sait jamais avec tout ce qui se passe. Je lui dis, écoute, ce ne sera pas maintenant, ce sera dans 2-3 ans, hein, peut-être avant. Mais voilà. Et je voulais vous montrer la petite maison que j'ai achetée à Ivy, que j'ai payée 5 euros à Jiffy, que j'ai peint, enfin que j'ai peint. Voilà. C'est une petite maison qui coûte 5 euros. Voilà, et voyez, regardez. Et elle adore aller dedans. Mais elle adore. Là, j'ai fait un autre dessin. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai fait. J'ai pris sa maison pour un tableau. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de peinture. Voilà, mes petits choux. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous. Donc, ça, je vais prendre en photo. Eh bien, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vais la mettre là parce que j'ai beaucoup de retard dans les vidéos. Je vais la mettre là maintenant. Je vais donner ma vidéo parce que je sais que mon monteur, il adore. Je vais lui donner la vidéo. Il n'y a pas besoin de faire de montage ni quoi que ce soit. Ça me gratte. J'ai le pied qui me gratte. Bref. Alors, donc, je vais tout de suite. Vous faire plein de bisous, vous dire I love you, merci pour tous mes nouveaux abonnés, merci à ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, vous, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous, on fait les fous, la 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 la, j'ai plein de projets en ce moment, il y en a qui me suivent un petit peu sur Insta, ils voient un petit peu ce que je vais faire, voilà, j'ai plein de projets. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, je vous dis. I love you, Isli Buddy, je te quiero ti amo, parce que ça a été repris plein de fois, donc j'ai plus envie. Alors je vous dis, mes petits choux, je vous embrasse et Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, plein de bonheur pour vous.